Donc ça, c'est un cadre aussi. Toujours, il disait, j'aimerais y retourner, j'aimerais y retourner. Et alors moi, plusieurs fois, je lui ai dit, moi, je t'y mène. Ich habe so von erzählt, er hat nicht gern gehabt. Ils l'ont mis derrière la camionnette et je me souviens, même on dirait que je savais la robe, je me vois, c'est pas possible. Je ne vois pas mon frère, mais avec ma maman, on faisait du au revoir. Et donc, la camionnette est partie assez vite. Et voilà, non, mais le plus dur, ça a été, ils se sont retrouvés jusqu'à Essen à pied. Et ils ont bouffé, alors bon. Ils passaient dans les forêts, les copains ramassaient les champignons et ils mangeaient n'importe quoi comme champignons. Mon père qui les connaissait, il disait « Je tiens à ma vie, mangez-les, moi je préfère mieux rien manger. » Je crois que le gros problème, c'était la chaleur. Quand il fallait presser pour faire les ressorts, parce que le métal arrivait très chaud, et voilà. Von den Luftverhältnissen, alles voll Qualm, dunkel, laut und dreckig. Sanitäterin und Dolmetscherin. Sanitär et interprète au camp pendant la guerre. Mais non, pas oublié, non. Und von dem Lager ging ein breiter Weg zum Sportplatz. Das Französische dazwischen, das hat natürlich gereizt. Ja. Das kannten wir ja nicht. Dann habe ich ja bestimmt mit dem Kontakt gehabt. Und là, ich faisais l'autoroute qui partait de Salzbourg et qui allait. Et alors là, les prisonniers, eux, ils allaient faire l'autoroute à coup de pioche. À coup de petite pioche. Das ist durchwegs, war das felsiger Grund, der natürlich nur mit Sprengungen und Spitzhacke dann bearbeitbar war. Gerade in St. Johann hat ja die französische Gruppe immer die meisten Gefangenen gestellt. Am französischen Nationalfeiertag haben sie die Marseillaise gesungen, dass jeder in St. Johann das oben hören konnte. Rechts von der Schörkbrücke, jener Teil des Kriegsgefangenenlagers Stalag Magd Bongo, in dem die Gefangenen halbwegs ordentlich behandelt worden sind. Und links davon das Russenlager, das Nordlager, wo die Menschlichkeit ihr Ende hatte, wo über 3500 Leute verhungert sind. Actuellement, le voilà parti pour sa deuxième tentative et il a bien l'espoir de réussir. Ne vous souciez pas pour lui. Ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé avec d'autres Ravarouska. Pour s'amuser, les Allemands ils disaient « Tu aimes les pommes de terre ?» Alors les pommes de terre, ils vont chercher. Pam. On était dans les bois et on cherchait de l'herbe pour manger.